Cette saison au Théâtre d'Arles, Woman et Point Zéro de la compagnie Amala Dianor. Amala Dianor est un chorégraphe et un danseur franco-sénégalais formé initialement au hip-hop, mais qui rapidement va s'ouvrir vers d'autres langages chorégraphiques. Il passe par différentes grandes écoles pour s'initier à la danse contemporaine, à la danse néoclassique, pour se former un solide bagage entre tous ces langages-là, et pour pouvoir aujourd'hui, dans son travail, les hybrider les uns avec les autres, chercher l'essence de chacun des mouvements, dans chacun de ses styles de danse, et donc pour créer sa propre danse fusion entre ces différents langages. Dans la soirée proposée au Théâtre d'Arles, ce sont deux petites formes qui vont s'associer. Une première forme d'une vingtaine de minutes, Woman, qui est un solo que Amala Dianor a transmis à une jeune danseuse, Nangaline Gomis. Initialement, c'était lui qui dansait ce solo qui s'appelait Manrek, qui en langue Wolof veut dire « moi seulement », et c'est devenu le solo Woman, pour se poser la question de l'identité aussi de cette jeune femme qui allait reprendre cette danse et forcément féminiser le solo qui lui était confié. Il est donc question de la transmission, de l'identité et de savoir comment on se trouve soi-même au sein de cette danse. Deuxième spectacle dans la soirée, Point Zéro, d'une durée de 40 minutes environ, où Amala Dianor est le chorégraphe mais est également l'un des interprètes, à côté de deux de ses comparses, un homme et une femme, et donc le trio qu'ils vont former vont également explorer la question de leur identité, de leur construction de la danse, et si tous les trois viennent de la danse hip-hop initialement, ils ont travaillé aussi dans d'autres formes. Ils se posent donc de la question qu'il y a entre le point zéro, ce point de départ initial dans toute leur vie, et leur a priori ce point du hip-hop, et donc le chemin qui a été parcouru depuis sur l'hybridation. Amala Dianor aussi se pose la question du vieillissement dans sa danse, puisqu'il a déjà une longue carrière derrière lui, et donc de ce que ça change dans son corps, et de ce que ça change aussi en comparant avec la tonicité des deux autres interprètes qui ont eu des parcours différents. Donc c'est une exploration à trois de toutes ces questions-là.